Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Gabon News. Nous commençons par les titres de ce journal. Ce n'est donc pas 100 jours qu'il faudrait pour avoir une petite avancée quant à l'insalubrité qui s'empire à Libreville. La nouvelle équipe municipale n'était donc pas prête à mettre sur pied toutes les stratégies de campagne. Les Gabonais, eux, restent toujours dans l'attente d'un mieux-être. Le développement dans ce journal. Les villages à l'ère des nouvelles technologies, tel est l'objectif de l'atelier qui s'est tenu le 13 mai dernier à Libreville. Objectif, transformer les traditionnels corps de garde en salons numériques pour faciliter l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication aux populations de l'arrière-pays. Kenny Ongouri et Refui Itsoga nous font le point. Rapprocher les villageois des nouvelles technologies de l'information et de la communication à travers le projet Gabon Village Numérique a été l'objet d'un atelier qui s'est tenu mardi dernier à Libreville sous le thème Gabon Village Numérique, télécentre communautaire et cloud culture bantou. Il s'agit de transformer progressivement le corps de garde qu'on appelle couramment dans nos villages corps de garde, il deviendra le corps de garde numérique. Les populations, les personnes âgées dans les zones rurales pourront communiquer directement avec leurs enfants ou petits-enfants situés dans les centres urbains via la vidéoconférence. Objectif, cloud culture bantou, faire du corps de garde traditionnel un village planétaire et le centre des échanges de données à travers les nouvelles technologies. Nous allons développer un cloud culture bantou qui va regrouper justement au sein de l'infonuage toutes les informations concernant, comme je l'ai dit, la santé, l'éducation, l'agriculture, la météo, mais également pour les jeunes, développer ce qu'on appelle le cloud gaming, leur permettant de jouer en ligne, mais directement dans leur langue vernaculaire. Nous allons développer l'e-dictionnaire bantou, à savoir que nos langues auront à elles un dictionnaire. Ce projet qui vise à faciliter l'accès aux nouvelles technologies et favoriser le développement de la médecine et de l'éducation verra également la mise en place de la lanterne à énergie solaire pour remplacer la lampe tempête et une station de traitement d'eau dans les villages du Gabon. L'heure est au premier bilan. 100 jours après sa prise de fonction, l'équipe municipale de Libreville ne semble pas avoir atteint ses objectifs au regard des nombreux déchets qui jonchent encore la ville. Plusieurs problèmes attendent d'être réglés, mais l'équipe de Rose Christiane Osuka Raponda, 100 jours après, il est vrai, ne suffisent pas pour un premier bilan, mais les populations, elles, s'impatientent. On regarde tout cela avec Kenny Ongouri, Refui Itsoga. Si l'enceinte de l'hôtel de ville a connu une petite cure de jouvence, il n'en demeure pas moins que Libreville, la capitale gabonaise, souffre encore de nombreux maux. Dans le cadre des 100 jours de la nouvelle équipe municipale actuelle, il est temps de se poser des questions sur ce qui a été fait ou pas. Au regard des 100 premiers jours de l'équipe de Rose Christiane Osuka Raponda, la ville a connu à certains endroits une embellie avec des fleurs et arbustes plantés. Mais le revers du décor est encore plus grand, d'autant que les 100 jours donnés pour accorder à Libreville un sursis ne semblent pas être suffisants pour cette équipe, car les problèmes sont nombreux et très complexes. Pendant sa prise de fonction, la mairesse de Libreville annonçait les couleurs pour entamer les premières actions de son mandat. Au regard de la situation, l'édile et son équipe, malgré les nombreuses descentes sur le terrain, ne sont pas prêts de connaître un dénouement heureux. Beaucoup de choses restent à faire. Tas d'ordures ici, la cherté du transport, l'absence de marché pour caser les nombreuses commerçantes des carrefours de la ville et les épaves qui jonchent les voies de la capitale représentent encore plus de 80% du travail qui reste à faire pour avoir une capitale digne. S'il est vrai que 100 jours paraissent insuffisants pour déterminer les capacités d'exécution de cette nouvelle équipe, ces premiers jours ont bien quelques avantages avec le travail qui se met progressivement en place et l'embellissement de la ville. Mais les populations attendent mieux encore de cette équipe, elles le méritent. Dans le secteur de l'éducation, les examens de fin d'année des lycées et collèges s'approchent. Mais la situation qui prévaut actuellement au sein de la convention des syndicats du secteur éducatif, CONACICED, pourrait-elle trouver satisfaction à leurs revendications? Le gouvernement gabonais saurait-il répondre favorablement pour empêcher la perturbation des examens? La CONACICED appelle le gouvernement à honorer à ses engagements. On voit tout cela avec Marcia Tsonga et Refui Itsoga. Les enseignants du pré-primaire, du primaire et du secondaire de Libreville, absents des salles de classe depuis plusieurs semaines déjà, ont choisi l'école publique Martine Oulabou pour interpeller le gouvernement dans l'optique de revendiquer ce qu'ils estiment leur revenir de droit. La première des choses que j'aimerais dire, c'est
c'est déjà de vous inviter à regarder à peu près le nombre d'enseignants en grève et au piquet de grève ce matin. Cela est une preuve. Cela est une preuve que les écoles sont totalement vides. Que les écoles sont totalement vides. Et par rapport à cela, nous restons fermes sur nos positions parce que nous attendons justement que le gouvernement puisse honorer ses engagements. Parce qu'il n'est pas question de rentrer en négociation. Respecter les engagements pris, c'est ce que les enseignants appellent le gouvernement à honorer. Nous attirons l'attention des parents d'élèves pour leur dire que notre attitude n'est pas celle-là toujours d'être en grève. Ou ce n'est pas pour nous une volonté d'éterniser la grève. Nous, on a cette ferme volonté-là de vouloir rentrer dans les salles de classe, mais sauf que nous déplorons cette attitude du gouvernement à traîner les pieds face à un problème qui n'a que trop duré. Nous restons ouverts au dialogue et nous attendons justement que ce dialogue-là ait lieu de façon à pouvoir trouver une solution pérenne aux problèmes posés. Voilà une situation qui pourrait perturber un tant soit peu la tenue effective des examens de fin d'année si le gouvernement et la CONACYSED ne mettent pas de l'eau dans leur vin. Voilà, c'était là le cri de la CONACYSED. Mindoubé, nous en reparlons, reste connu pour sa décharge. Pourtant, il y a autour de cette décharge toute une vie, des populations qui vivent là avec tous les problèmes qu'elles rencontrent au quotidien. Difficile accès à l'eau, routes délabrées, pollution visuelle et maladies. Tout cela donne le sentiment d'un abandon de ces populations. Samperonba, Refuitsuga. Habiter Mindoubé est un véritable calvaire. Comme une cité à l'abandon, tout semble aller mal. La route d'abord, celle-là qui fut la première route nationale, n'a jamais été bitumée. On est obligé de dégager les caniveaux là nous-mêmes ici par la main. On fosse. Mais on est obligé de faire comment? Un moment tu trouves un peu sec, c'est parce que nous-mêmes on essaie de creuser pour essayer de faire passer les eaux. Il faut qu'on trouve une solution, qu'ils arrangent l'emplacement, parce que tout le long là jusqu'au rail, c'est vraiment dégueulasse. Il n'y a pas moyen là où tu peux passer. Deuxième épreuve quotidienne, la pollution, tout effort pour lutter contre elle est presque vaine. Les ordures, tout ça là, on se retrouve avec tout ça devant nos maisons maintenant. La nuit, c'est pas normal. Quand ils brûlent ici, ils brûlent la décharge, tous les odeurs toxiques rentrent dans nos maisons aux heures tardives. Les conséquences évidemment sont visibles. Chez les femmes et les enfants, les risques de fausses couches et les maladies sont fréquents. Voilà, c'est bien ça, c'est très dangereux, on met ça où? Ça, c'est dangereux. Ça, c'est très dangereux. Mais là, ils sont où? Ils mettent ça où? Au nom de Dieu. Et qui supporte ça? Ce sont les livrets de Mindoubé qui engraissent tout ça. C'est du gaz. Les femmes font des fausses couches. À cause de ça, c'est du gaz enfui. Les femmes font des fausses couches. Mindoubé, le quartier, se confond désormais avec Mindoubé, la décharge. Le sentiment ici est que les habitants sont traités au même titre que les objets jetés à la décharge. Hors de nos frontières, le ministre français des Outre-mer, Madame Georges Paul Langevin, a présidé le 10 mai dernier en dépit d'une pluie battante sur la ville de Savigny, le temple en région parisienne, la cérémonie officielle de la 9e journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Une cérémonie qui s'inscrit dans le contexte du 220e anniversaire de la première abolition de l'esclavage par la France. C'est un reportage de Jacques Jarel-Sica, notre correspondant dans la capitale française. Dépôt des gerbes devant la stèle de l'abolition de l'esclavage face au collège de la Grange du Bois Savigny-les-Temples et un instant de recueillement à la mémoire des esclaves et des combats abolitionnistes, le ministre français des Outre-mer a rappelé à l'assistance que la République française est fondée et sur des valeurs d'égalité et de fraternité et non sur des idéologies qui prônent, à n'en plus finir, la haine ou l'exclusion. Je crois qu'aujourd'hui encore, la lutte pour l'égalité n'est pas terminée. On a gardé de cette période esclavagiste un certain nombre de stéréotypes qui font qu'on nous assigne à tel ou tel rôle. Il est écrit dans les textes fondateurs de la République française que nous sommes tous admissibles à toutes les charges, à tous les emplois, à toutes les fonctions. Le ministre français des Outre-mer a également fustigé ceux qui voulaient installer les différences et qui n'aiment pas la France en ne commémorant pas l'abolition de l'esclavage. À Villers-Cotterêts, où le maire Front National n'a pas pris part aux cérémonies, dénonçant une auto-culpabilisation permanente.
À partir du moment où c'est à deux fois de suite les révolutionnaires républicains qui ont aboli l'esclavage, ceux qui ne veulent pas se souvenir de cet acte sont des gens qui n'adhèrent pas totalement aux valeurs de la République et notamment à l'idée d'égalité, quelle que soit la couleur de peau ou la religion. Christiane Taubira, l'actuelle ministre de la Justice, est à l'origine de la loi de reconnaissance de la traite et de l'esclavage comme crime contre l'humanité, adoptée en 2001 et qui a fixé le principe de cette journée nationale des commémorations. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous de rester sur votre site Gabon News. Au revoir et à demain, 20h.